Salut à tous. Tu dis bonjour. Bonjour. Voilà. Un pote à moi depuis la primaire, c'est ça? Donc, et un abonné aussi. Eh ouais, ça rigole plus. Hein. Bon, alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer ce qui m'est arrivé. La couille qui t'arrive. Une couille dans le pâté. Donc, je vais vous le dire hein, tout de suite. Donc, ma moto est morte. Voilà. Non, elle est pas morte quand même. Elle est réparable, mais. Mais il y a un mais. Mais ça va coûter très cher. Parce que, en fait, j'ai niqué ma boîte de vitesse. Wesh. Ah, je crois qu'il a chopé le ballon. Donc oui, j'ai niqué ma boîte de vitesse. Et oui, hein, j'ai niqué ma boîte de vitesse. T'as niqué ta boîte de vitesse. Voilà, j'ai niqué ma boîte de vitesse. Et normalement, j'en ai pour à peu près 500 balles de réparation. Normalement. Voilà. Oui. Et moi, normalement, la mèche, j'ai dans 3-4 semaines. Voilà, donc lui, il a le BSR, ça y est, il l'a passé. Je l'ai eu. Voilà. J'ai niqué un feu rouge avec le scooter, mais le moniteur, il a dit, c'est pas grave. Qu'il aurait fait pareil. Donc en gros il m'a enlevé une faute sur 5. On va mettre la casquette. Donc ouais du coup, alors je fais cette vidéo pour parler de ma moto et du projet. Vous vous rappelez le projet que vous avez dit? Vous vous rappelez tous? Bon et ben pour le moment moi il est suspendu. Comme genre. Voilà. Ouais. Moi il est suspendu parce que. Ben, parce que. Si t'as pas de moto, tu pourras en faire. Hein. Voilà, je pourrais très bien le faire, hein, mais ça servira à rien puisque dans. Mais attends, on est en quel mois là? Octobre? Octobre? Ouais, on est en octobre. Octobre. Novembre? Décembre? Janvier. Dans moins de 5 mois? Non, si, dans... je vais passer mon permis 125. Ah ouais? Ouais. Mais moi je le savais pas. Bah si tu le savais, je t'avais dit. Je vais passer mon permis 125, donc le jour de mon ami, voilà, donc en mars. Donc mon pote, il va le faire, donc MT750, il va le faire, ça c'est sûr qu'il va le faire. Peut-être lui aussi, il va le faire, on sait pas. Si j'ai assez d'argent. Voilà. Donc moi, du coup, il est suspendu. Bon, je le ferai pas sur la 50, je le ferai peut-être sur une autre, mais bon. Voilà. Donc je vous le dis pas quand même, parce que on verra. On verra. Voilà. Donc oui, ça y est, on est 20 abonnés, donc 20 ou plus peut-être, je sais pas. Attends, justement, c'est ce que j'allais voir. Donc le projet, enfin l'indice, eh ben je peux pas vous le donner parce qu'il n'y a pas MTZ50 tout simplement, hein, je suis désolé. C'est vraiment la merde. Oh, la fin d'année là, ça va être la merde. T'es pas d'accord? Ça pour moi. Pour toi oui, mais pas pour moi. Ouais, mais moi c'est la merde, c'est la merde. J'ai niqué ma boîte de vitesse. On est 22. Mon père. T'es 20, mon père, t'as 22 abonnés. Mon père il veut. Hein? Non, 20 abonnés, pile. Mon père veut la vendre, ma moto. Donc du coup je passerai le permis 125 et je prendrai la 125 de mon père. Peut-être. Du coup pour les runs tu vas me filmer. Pas forcément. Déjà quand tu vois l'accélération que j'ai, je n'ai que la 125 de mon père. Soit je récupère celle de mon daron, donc la 125, soit je récupère. Moi je m'achète une autre. J'achète une. Soit la KTM Duke. C'est ça hein. Ouais, KTM Duke 125. Bon, sachant que si je prends la 125 de mon daron, je ne pourrai pas faire le projet. Voilà. Alors du coup on en revient aux réparations de la moto. Qui coûte 500 balles. Est-ce que, je peux pas tourner la caméra, le total de ce que je devrais payer, je vous le montrerai. Hein. Je vais leur montrer même, tout de suite. Je vais vous le montrer. Le total que je dois payer, et ben... Donc justement je dois faire un devis pour... que je sache le prix pour que j'ai ça dans le postérieur et puis ça fait mal tout simplement.
Ça fait mal. Mmh. Ouais, ça va faire. Moi, je pense que ça va faire mal parce que leur main d'œuvre coûte putain de cher. Donc je suis déjà allé voir, j'en ai entre 300 et 500, mais c'est trop tard de toute façon. J'en ai entre 300 et 500 balles de réparation. Une devis déjà, il sort combien? Je sais même pas. Du coup, je l'amène vendredi, ma Brelle. Donc voilà, donc j'ai enlevé ça de ma moto pour éviter de me les faire chourir parce que lui, elle est garée dehors. Non, sous un toit, mais dehors. J'ai tout enlevé. Bon! On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.